le général Brice Olingi Nguema, chef de la garde républicaine, porté en triomphe mercredi par des centaines de militaires. Allégeance, sans nul doute, à celui qui est déjà présenté comme le chef de la junte militaire au Gabon, alors que le suspense sur le sort d'Ali Bongo vient d'être levé. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Après 14 ans de pouvoir, Ali Bongo vient d'être renversé par ceux-là même qui assuraient sa sécurité. Des dignitaires de son régime sont mis aux arrêts, dont son fils Noureddine Bongo Valentin. Ils sont notamment poursuivis pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière international en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Le gouvernement français, par la voix de son porte-parole, a condamné mercredi le coup d'État en cours au Gabon.